Allez, bonjour à tous. Backfire, un jeu de caisse sorti milieu des années 90. Data East, un gros éditeur d'époque d'arcade. Alors, c'est un jeu de caisse, effectivement, pas vu de derrière, mais vu de. En vue isométrique. Alors, c'est à peu près dans les mêmes formules hein, que comme pour Neo Geo, Neo Drift Out. Et aussi, par exemple, on peut citer le World Rally, le mythique, le fameux, avec la Toyota. Alors, moi, de souvenir. C'était un petit peu galère quand voilà, on était en vue de dessus comme ça, parce que quand on est à droite à gauche, on pouvait se mélanger les pinceaux. La spéciale de mémoire était assez longue. J'espère pas trop me déchirer. Allez, c'est parti. Bordel. Je pense que effectivement c'était dédié hein, sur les bornes, il y aura un petit volant. Là, je joue au stick, donc c'est la merde. Ceux qui ont foncé sur la dev de ces titres-là en arcade de bagnole. Donc c'est une bonne alternative avec ce qui s'est fait. Oh la vache, je suis mais la merde. C'est quand on est vu du haut là pour tourner droite ou à gauche, on peut se mélanger les pinceaux, c'est ce qui m'arrive actuellement. Et alors on va retrouver la voiture un petit peu derrière, ça va être un petit peu plus simple. On a assez détaillé, on voit les personnages les spectateurs sur les côtés. Le grain est beau. Le spike de la voiture est assez gros. Deux boutons, hein, j'ai oublié de signifier, hein. Comme les pédales, accélérateur, frein. Le ressenti à chaud est bon. Hein. C'est très creusé, je pense qu'effectivement, c'est un petit parfum d'aller un peu plus loin. Quand il y a des pif paf comme ça, c'est vrai que c'est la merde. Il faut connaître le circuit quand même. Là, je suis dans la merde. Je suis à l'envers. Allez, gauche, droite. La finish. Ah merde. Est-ce que je vais avoir un jeu de temps 4 secondes. Ah, j'ai tapé. Allez. Ah, c'est passé. Juste lui. Voilà, c'est tout pour cette petite démo. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.